Vous pouvez tirer de nombreux enseignements de cette histoire. Et personnellement, je n'en ai gardé qu'un seul en mémoire et c'est celui-ci. Tout rêve, aussi fou soit-il, peut se réaliser dès l'instant que nous en connaissons le prix. Le savoir, c'est le pouvoir. I love you, honey bunny. Everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you! Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie et dans cette vidéo, on va voir 7 caractéristiques psychologiques que tout investisseur immobilier devrait avoir pour se lancer dans l'investissement locatif. Avant de commencer, tout le monde peut faire de l'investissement immobilier. C'est un marché de gré à gré, c'est ouvert à tout le monde. Mais je pense que pour arriver à un certain niveau, il y a quand même des petites choses que c'est plutôt bien d'avoir, voire même de savoir. Parce que vous allez voir que sur ces points, il y en a certains qu'on peut travailler, qu'on peut même beaucoup travailler pour finalement réussir à acquérir ces traits de caractère. Et ça peut nous aider à réussir en immobilier. Donc avant de commencer, je veux bien vous préciser que tout le monde, même si on n'a pas ces caractéristiques, peut investir dans l'immobilier. Donc ce n'est pas, une règle empirique que vous devez suivre avec précision. Et surtout, ce que je vous dis là, c'est ce que moi je pense. Donc vous verrez, on va y venir dans les points, on va en parler tout à l'heure, mais je peux en oublier, je ne sais pas tout. Donc voilà, c'est ce que moi je ressens, ça reste un sentiment très personnel, mais j'ai envie de partager ça avec vous parce que c'est vrai qu'on a tous des idées en tête sur ce qu'il nous faut ou pas pour pouvoir se lancer, et c'est l'occasion que nous en parlions un peu bien maintenant. Alors selon moi, le premier point qu'on devrait tous avoir pour se lancer en immobilier, c'est un point qui a un paradoxe en fait. Il faut que l'on soit à la fois stratège et à la fois dans l'action. Alors pourquoi je mets ces deux points ensemble? Parce que très souvent, lorsque l'on est stratège, on n'est pas dans l'action. Et lorsqu'on est dans l'action, on n'est pas stratège. Là encore, ce n'est pas une vérité absolue. C'est quelque chose que je constate, pas tout le temps, mais de temps en temps. Et sur ce point, ça m'évoque tout de suite ce qu'on me disait à l'école. On me disait souvent, t'es bon en rien et pas mauvais en tout. Pour le coup, là, je pense que c'est le lieu où il faut être comme ça, où il vous faut être bon dans aucun de ces deux domaines, mais pas mauvais dans les deux, et équilibrer votre côté stratégique avec votre côté je passe à l'action pour réussir à réaliser ces opérations immobilières. Alors pourquoi la stratégie est au moins autant importante que l'action? Parce que si vous agissez sans aucune réflexion derrière, sans aucun projet, il est facile de comprendre que vous n'irez pas loin dans l'investissement. Et de la même manière, si vous n'êtes pas dans l'action, si vous ne faites que des plans sur la comète et que il ne se passe jamais rien dans vos opérations immobilières, que vous n'êtes que dans l'apprentissage, le regard de vidéo ou même l'acquisition de savoir, ça ne suffira pas à un moment donné pour que les choses se réalisent. Alors le deuxième point, c'est un point qui est difficile pour moi d'en parler, c'est le stress. Alors c'est difficile pour moi d'en parler pour deux raisons. La première, c'est parce que quand j'étais jeune et détaché de toutes les choses de la vie, l'école, même les compétitions quand je faisais de la compète, etc., je n'étais quelqu'un d'absolument pas stressé. Je n'étais pas touché par le stress, ce n'était pas quelque chose qui me touchait réellement dans mon quotidien. C'était difficile d'exercer une pression sur moi que psychologique. Il fallait avoir une autre pression que la psychologie pour arriver à m'atteindre. Seulement voilà, au fur et à mesure des opérations, en grandissant, j'ai découvert un petit peu ce qu'était le stress. Et ce n'était pas une superbe découverte, puisqu'aujourd'hui, si je devrais avoir un point à travailler, c'est cette réaction au stress. Et dans les deux sens d'ailleurs, des fois je devrais plus me stresser pour être plus dans le vif du sujet, et des fois, le stress me touche alors qu'il n'aurait pas de raison de me stresser. Et je devrais être capable de prendre du recul par rapport à ça, mais je n'y arrive pas toujours. Donc le stress, on est déjà au départ sujet au stress ou on ne l'est pas. Je ne suis pas capable de répondre à cette question, savoir si je suis réellement sujet au stress ou pas. Je sais que j'ai un problème avec ça, dans un sens et dans l'autre. Des fois, j'en ai pas assez là où je devrais en avoir et des fois, j'en ai là où je devrais pas en avoir. C'est très étrange. Par contre, si vous êtes d'une nature stressée, effectivement, l'immobilier est stressant de par tout un tas d'aspects et on ne peut pas nier le fait qu'il faut avoir une bonne résistance au stress pour être capable de mener les projets.
Alors est-ce que si vous êtes stressé, vous ne pouvez pas faire d'immobilier? Je ne pense pas. Je pense qu'il va vous falloir surtout vous habituer à vivre avec. Et là encore, eh bien, il va falloir vous y confronter pour vous habituer à vivre avec le stress. Et donc, c'est un point qu'il va vous falloir développer par vous-même, mais vous avez quand même des notions de votre appétence au stress ou pas. Le troisième point, qui n'est pas forcément dans l'ordre et que je ne devrais peut-être pas mettre ici, c'est le goût du jeu, le goût du risque. Alors moi, j'appelle plutôt ça le goût du jeu, parce que je pense que pour faire de l'immobilier, il va vous falloir être un peu joueur. Il va vous falloir aimer perdre. Personne n'aime perdre, mais bon, si, accepter la défaite, comme accepter la victoire. Ne pas se voir grisé par la victoire et ne pas non plus se laisser abattre, abandonner à la suite d'une défaite. C'est un point, l'immobilier, où il y aura énormément plus de défaites que de victoires, mais les victoires seront grisantes et vous emporteront, vous faisant tout oublier, alors que les défaites seront parfois sadiques, parfois vicieuses, parfois elles vous donneront un gros coup derrière la tête. Elles seront démoralisantes et pourront même vous remettre en question vos projets, vos plans et tout ce que vous avez élaboré depuis le départ. Donc, pour moi, le goût du jeu est un goût important en immobilier. Être capable d'accepter la défaite comme d'accepter la victoire, de ne pas, donc comme je viens de vous le dire, se sentir surpuissant quand on gagne et ne pas non plus jeter l'éponge quand on perd. C'est facile à dire, mais croyez-moi, dans les deux cas, c'est difficile à vivre parce que on ne parle pas assez du gain d'argent élevé et de ce que ça entraîne, et on ne parle pas assez du long chemin qui est parfois la succession d'échecs en immobilier avant d'atteindre le sésame qui sera la réussite. Donc essayez d'être joueur, le meilleur joueur possible, le plus bon joueur possible. Et ça, malheureusement, si on est mauvais joueur au départ, je pense que ça se travaille, je ne le sais pas. Mais je pense qu'il est quand même possible d'agir sur ce point-là et d'acquérir ce genre de compétences. Le temps passa, et alors que le bateau était en train de s'achever, tout le monde dans la famille n'avait de cesse de lui demander si ce bateau allait couler ou flotter. Mon oncle était très sûr de lui, et il disait toujours au repas de famille « Le bateau flottera ». La phrase marquait un point ferme, il était sûr de lui, alors qu'il n'en avait jamais construit auparavant. Les années passèrent, et je ne saurais pas vous dire si la construction prit plus de 10 ans au moins, mais le bateau finit par être mis à l'eau et il flotta. Je me rappelle très clairement d'un repas de famille où il annonça que la construction de ce bateau avait pour but de faire un tour du monde. Tout le monde était choqué de découvrir qu'en fait, la construction du bateau avait pour but de l'emmener 6 mois dans l'année loin de tous ceux qu'il aimait. Un des membres de ma famille lui a alors posé une question et la réponse que mon oncle lui a donnée est restée gravée dans ma mémoire. La question était la suivante. Pourquoi as-tu passé 10 ans à construire ce bateau alors que si tu en avais acheté un, tu aurais pu passer ces 10 années à parfaire tes connaissances maritimes pour réussir ton tour du monde? Ce n'était pas vraiment une question, mais plutôt une opposition au projet qu'il avait bâti de ses mains. Mais mon oncle lui a répondu ceci, une réponse tellement criante de vérité que tout le monde était pendu à ses lèvres.